Hello les gens, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas nous oui. Alors comme vous pouvez le voir, ou pas d'ailleurs parce que vous voyez un petit peu toutes les semaines, Wilson il grandit tellement vite, c'est un truc de fou, il a presque doublé de volume depuis qu'on l'a. Du coup je lui ai racheté un panier parce que le panier qu'on avait avant il était non seulement tout petit, mais en plus il l'avait complètement bouffé, déchiré le tissu. Ça je comprends pas trop en fait, donc on lui a racheté celui-là, d'ailleurs le chat est même un petit peu jaloux tellement il est magnifique hein. Et il est beau hein. Et avant qu'ils grandissent pour pouvoir dépasser le panier, là, c'est bon, il y a quand même un petit peu de marge, quand même. Donc j'essaie de lui apprendre un petit peu vraiment à rester dans le panier, tout ça, que ce soit son coin à lui, qu'il reste dans le panier, qu'il se couche dans le panier, qu'il dorme dedans, parce que pour l'instant, il ne comprend pas. Pour l'instant, il joue avec le coussin et ne dort pas dessus, il dort par terre, à côté. Je sais pas si votre chiot fait pareil, mais vraiment j'ai essayé de l'inciter, voilà, avec le jeu, j'ai essayé de lui apprendre à aller dans le panier. Mais voilà, 4 jours après que je l'ai acheté, voilà déjà l'état du panier, voilà. Et pourtant à chaque fois que je le chope, je lui en colle une petite, hein, voilà, entre les deux yeux. Non, je rigole, enfin voilà, j'essaye de l'engueuler quand même à chaque fois que je le trouve en train de manger ça, mais c'est pas possible. Mais bref, j'essaie de lui apprendre quand même à aller dans son panier. C'est un des tours, je pense, principaux pour un chien. C'est voilà, panier, tu vas dans ton coin et t'arrêtes de faire chier. Donc j'essaie de lui apprendre. Il s'en sort plutôt bien. Il sait déjà un petit peu pas bouger, s'asseoir, tout ça, il connaît les bases. Moi, je préfère leur apprendre vraiment quand ils sont jeunes, parce que comme ça, c'est acquis très vite, et puis voilà, c'est plus pratique d'apprendre quand ils sont jeunes que quand ils sont adultes. Bref, donc j'ai essayé de lui apprendre un petit peu comment aller dans le panier, donc il y va, au bout de 4 jours, il y allait. Là, malheureusement, j'ai pas le son sur cette vidéo-là, mais j'ai juste à le dire, il y va. Mais il s'attend quand même à la petite friandise à chaque fois, oui, il se lâche les babilles un petit peu, genre attends, j'y suis allée, donne-moi quand même mon truc et tout. Mais donc voilà, on n'a pas fait énormément de choses sinon avec Wilson cette semaine. On est parti donc ce week-end, donc on l'a laissé chez des amis, ce qui veut dire qu'il est allé pour la première fois, attention, et encore une fois je préfère faire tout ça quand ils sont jeunes, donc c'est bien. En fait, il est allé pour la première fois dans la voiture, donc Wilson a fait un petit tour en voiture de genre un quart d'heure, et vaut mieux leur apprendre ça quand ils sont déjà petits et qui prennent pas toute la place sur vos genoux et qui sont encore en phase d'apprentissage. Donc il apprenait un petit peu la voiture, il était content. Bon, je le tenais bien par le collier quand même parce que on sait jamais, il est un petit peu benêt sur les bords, donc il aurait pu sauter par mégarde, mais non, je l'ai quand même bien tenu au cas où. Mais il était très content. Il a découvert la voiture, il découvrait les bruits et tout, voilà, il regardait, il n'y avait aucun problème. J'ai vraiment pour l'instant, j'ai pas beaucoup de problèmes avec ce chien, c'est un truc de fou. Sauf le fait que oui, il bouffe tous ses paniers. Je sais pas si tous les chiots font ça, en tout cas tous les chiots à moi ils me l'ont toujours fait. Mais donc là il était content, il était chez nos amis, il est resté là-bas 3 jours. Et il était ravi en fait, on aurait pu partir et ne jamais revenir, mais il serait resté. Par contre leur chat, c'était pas comme Cloud. Nous Cloud, il a accepté Wilson et tout, il n'y avait aucun problème. Eux leur chat là, c'est pas Cloud, c'est leur chat, il était pas ravi. Il était pas ravi du tout. Wilson, il comprenait pas, lui, il était à fond, comme avec Cloud, mais là... voilà, il est resté comme ça pendant 3 jours, le pauvre chat, mais bon, c'est naturel. Mais au moins, il n'y a pas eu trop de problèmes. Et voilà, Wilson qui dort à côté de son panier. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec Wilson. Au revoir tout le monde.